J'ai un mauvais pressentiment. Docteur Yu, Morgan, là-haut, c'est l'officier Cool. On peut pas ouvrir la porte principale, sinon ces saloperies vont s'infiltrer. Montez sur la passerelle, on va vous faire entrer. Alerte système. Réparation nécessaire. Alerte système. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Alerte système. Réparation nécessaire.
Stade terminé. Nouvelle aptitude psy disponible. Votre attention. En raison d'une brèche importante dans la zone de fret 1, tout le personnel doit éviter cette zone jusqu'à ce que les réparations aient été accomplies et les vérifications de sécurité terminées. Le personnel affecté sera contacté pour être réassigné temporairement. Ceci est un message préenregistré. C'est Gus, de la zone de fret. Dis-moi, t'aurais pas commandé un synthécube en provenance de la Terre? Si j'ai commandé quoi? Un synthécube, c'est une machine. Une machine? Qui fait quoi? Bah, je sais pas trop, j'espérais que tu me le dirais. C'est une blague ou quoi? J'ai pas que ça à faire. Bah, comme t'es concepteur industriel, je pensais que tu saurais. T'as visiblement aucune idée de ce que je fais. Et j'ai pas commandé de synthétiseur. Synthécube? Demande à quelqu'un de l'ingénierie. Mais je l'ai fait. J'ai demandé à tout le monde.
Personne n'en a commandé et personne ne sait de quoi il s'agit. C'est bizarre. Bon, je passerai peut-être ce soir et jeter un œil. Ce serait sympa, merci Lane. Ouais, aucun problème. Docteur Yu, j'aimerais de nouveau vous remercier pour le sauvetage. Vous vous souvenez de moi? Je suis le docteur Igwe, Dayo Igwe. Votre frère Alex m'a fait venir sur la station pour mener la recherche sur les neuromodes. J'en ai bien un, mais dépourvu de schéma d'aptitude. Et je le gardais au cas où, mais c'est sans doute le moment. Tenez, vous en ferez sûrement meilleur usage. La microgravité affecte mon équilibre. Je dois retrouver l'équilibre après avoir subi le lent roulis de la caisse. Je la sentais tourner, vous savez. C'est mon estomac qui me le disait. Je n'ai jamais autant ressenti le vertige et la claustrophobie. Il doit bien exister un neuromode pour guérir ça. Vous avez besoin d'un opérateur... Morgan ? Je me disais... Je sais plus. Je suis contente de vous voir. Transtar a lancé une opération de sauvetage? J'étais dans la salle de stockage du carburant quand le feu a pris et que tout le monde s'est mis à courir. Mais il fuyait pas les flammes. Il fuyait ses formes. J'avais contenu le feu et je tentais d'atteindre le générateur quand Hal, l'officier Rose, est venu me chercher. Heureusement pour moi. J'avais aucune idée de ce qui se passait, ni de l'identité de ces choses. Tous mes collègues, ils sont morts, n'est-ce pas? Je me demande si c'est l'une des créatures qui a causé l'explosion au stockage du carburant. Elles sont intelligentes? Elles ont planifié tout ça? J'ai entendu dire que les modules d'évacuation ne fonctionnent pas. Tous les modules, c'est vraiment possible? Bon sang, regardez ces trucs gigoter, ça me file la gerbe. Du vaisseau. S'il y était resté, il aurait peut-être pu survivre. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je crois que je vais vomir. Il a créé un autre de ces monstres, comme s'il l'avait extirpé du cadavre d'Enoch. Ah, cadavre, peut-être. Va savoir, ça l'a peut-être sauvé. C'est peut-être toujours Enoch. Non, on dirait pas. Sam, promets-moi de me tuer si jamais je finis comme ça. Sarah va nous tirer de là. Elle l'a toujours fait. On est en sécurité ici. Pour l'instant, je vais vérifier les environs. La manière dont ils ont consumé, transformé Enoch en l'un des leurs, c'est ça qu'ils veulent? Le capitaine et Lazare est là-bas. Moi, je bosse pour vivre. Lui dites pas que j'ai dit ça. Ça va aller? Et Katerina, ça va toujours? Ça va, officier Rose. Le docteur Igwe a de la chance. Appelez-moi, Al. Pas de brûlure? Non. Vous m'avez sorti le de là juste. Le capitaine et Lazare va vouloir vous parler. C'est dangereux de jouer avec le feu, vous savez. Vous étiez encore à bord de la station. Vous prévenir à l'avance. Le chef et Lazare va vouloir vous parler. J'espère. Ce serait la moindre des choses. Aucun mouvement. Bon, je reviens vous voir dans un moment. Merci, Al.
J'en ai marre d'attendre qu'ils viennent à nous. Comment vous allez ? Comment je vais ? Je sais pas trop. Ça fait plaisir à entendre. Vous, vous avez besoin d'un opérateur médical. Je sais pas si Wiggy, enfin le docteur Igwe, a de la chance d'être ici ou non. Il aurait peut-être été plus en sécurité dans sa caisse. Opérateur médical Transstar Pyramide 490. Prêt au déploiement. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. Si vous trouvez une issue, emmenez donc le docteur Igwe avec vous. Peut-être qu'il parviendra à se rendre utile ailleurs. Docteur Igwe, je pensais bien qu'il survivrait. Béni soient les simples d'esprit. Alors vous avez décidé de venir jusqu'ici dans le seul but de retourner sur Talos ? Le seul moyen d'y parvenir, c'est par la zone de Fred B, qui est infestée par les créatures qui ne pouvaient soi-disant pas sortir. Je voudrais vous parler de la visite VIP la plus récente. Un peu comme vous. Letner, je suis la seule à posséder le corps. Chef, j'ai fait mon maximum. Je vous le donnerai si vous nous aidez à mettre sur pied la puissance de feu qu'on nous avait promise. J'ai fait mon mieux pour que Igwe ne soit pas trop. Il nous faut les plans de fabrication des tourelles. J'ai réussi à me procurer ces cigarettes quand. Mes hommes m'ont dit que le fabricateur. Vous avez fait un excellent travail. Letner n'a pas tardé d'éloge, surtout à votre égard. Vous n'avez visiblement pas. Il y aura un petit bonus dans votre prochain salaire. Emmenez Nicole dîner dans un bon restaurant. Il ne nous reste plus qu'à obtenir le plan de fabrication des tourelles. Merci, chef. Il y en a un dans le coffre du bureau de la sécurité, mais il est hors de portée à cause des fissures dans la coque. Mais bon, si vous aviez une combinaison et que vous vouliez bien refaire une balade, la puissance de feu supplémentaire serait vraiment utile. Écoutez, je ne sais pas quels sont vos plans, Morgane, mais n'oubliez pas, la seule chose qui compte est la manière dont vous traitez ceux qui sont encore en vie. N'oubliez pas, on a besoin des plans de fabrication de tourelles éradicatrices, pas pour un synthécube. Je sais même pas ce que c'est, d'ailleurs. Alex doit avoir une bonne raison de bloquer les ascenseurs. Il tente peut-être de mettre la station en quarantaine.
On s'en va nulle part. Ces pistolets Transtar PP... Vous avez pas l'air en forme. Docteur Yu, vous étiez dans les quartiers de l'équipage? Avez-vous trouvé des signes de ma femme, Nicole? La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle était en chemin. Si vous la trouvez, vous pouvez l'aider à nous rejoindre? Si elle s'est transformée en une de ces créatures, je... Non. Je suis désolé, Docteur Yu. J'aurais pas dû. Je vous demande pardon. Alors, c'est Tourelle ? On doit bien pouvoir reconnecter quelques tourelles. Nouvelle aptitude psy disponible. Attention, une maison endommagée. Nous avions pu avoir ces tourelles plus tôt. Ouvrez l'œil pour trouver les matériaux nécessaires à leur assemblage. Avoir ces plans, c'est avoir gagné la moitié du combat. Quand elles seront construites, j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire contre nos nouveaux amis. We do buy you.
Ces pistolets Transtar PPN-8 sont juste là pour faire beau. Ils font pas grand-chose face à ce qui nous attaque. Mais avec les tourelles éradicatrices, on a une chance. Officier Maddox, prête. Les TEA sont activés et réglés. J'ai hâte que nos petits amis y goûtent. Voilà le code de la zone de fret B. Bienvenue. Saloperie de PPN. Ces chargeurs minuscules sont bons pour les cibles. Rien à faire. Il n'y en a que pour une seconde. Il n'y a pas plus en forme que vous. Vous pouvez remplir le questionnaire. J'espère que cet opérateur médical est opérationnel, parce qu'on va avoir besoin de lui après ça. C'était un être humain avant. On a gagné. Pas de coup. Et je suis encore en vie. On est encore en vie. J'ai toujours pensé que quelque chose allait dérailler, mais j'aurais jamais pu imaginer ça. J'avais pas réalisé à quel point les combats me manquaient. Et à quel point ils ne me manquaient pas. Maintenant que nous avons sécurisé la zone, nous pouvons tenir. Et finiment, si vous envoyez d'autres survivants ici, nous les protégerons. Ça leur apprendra. J'espère qu'il n'y a rien. Est-ce que tout le monde est devenu dingue dans cette station? Montre-toi. Ces pistolets de merde ne marchent peut-être pas contre ces créatures, mais ils feront l'affaire contre vous. J'aurais jamais dû vous laisser entrer. Il était juste. J'espère qu'il n'y a rien. Hors de là. Ah!
Maddox, c'est vous qui avez fermé cette porte? Elle est complètement verrouillée. Envoyez-moi le code, puis faites comme si vous l'aviez jamais eu. Faudrait pas que quelqu'un refasse comme Tig. On a perdu assez de monde comme ça aujourd'hui. Compris, chef. Je vous l'envoie. Merci. Et restez sur vos gardes, Maddox. Scan de la cible. Aucun matériel alien détecté. J'ai cru voir quelque chose bouger là-bas. Diagnostic en cours. Bleu, écorchure, fatigue. Rien de très alarmant. Vous serez sur pied en un rien de temps. Il n'y a pas plus en forme que vous. N'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction. Vos commentaires nous tiennent à cœur. Votre attention. Les cargaisons provenant de la Terre ont été temporairement retardées. Le personnel doit s'occuper en priorité des livraisons en retard jusqu'à nouvel ordre.
Docteur Yu, ça fait 3 jours. J'aimerais savoir si vous... Ma réponse n'était-elle pas assez claire? Vous ne m'avez pas donné une réponse logique. Vous m'avez parlé des organismes. Vous avez admis ne rien savoir de leur physiologie. J'ai lu les rapports. J'ai vu de quoi ils sont capables. Et pourtant, les armes que vous nous avez données sont standards, alors même que la technologie présente à bord de la station est... Les Typhoons sont sous bonne garde. Votre travail est de surveiller les employés. Vous n'avez pas besoin d'une puissance de feu militaire pour ça. Nous sommes les meilleurs pour une raison, Docteur Yu. Ce serait dans votre intérêt d'investir un peu plus afin de pouvoir affronter des circonstances inhabituelles. Si un seul de ces organismes venait à s'échapper... Merci pour votre suggestion, chef Elazar. Je la prendrai en considération. Ne me contactez plus à ce sujet. Journal. Chef Elazar, moi et 5 de mes officiers, plus un civil, sommes coincés dans la zone de fret. Nos tentatives pour rejoindre les modules d'évacuation ont échoué. Une sorte de panne, semble-t-il, pour tous. Plus d'une 30aine de vies ont été perdues en essayant de résoudre ce problème. Et nous avons dû battre en retraite. Tout ça pour découvrir que les ascenseurs avaient été bloqués. N'ayant aucune autre alternative... Nous nous sommes réfugiés dans la zone de fret. Pour venir en aide aux derniers survivants, les officiers Tig et Remer ont essayé de mettre sur pied une opération de sauvetage. Nous sommes encerclés. Les créatures à bord de la station se sont échappées de leurs cellules. Comme on s'y attendait, les munitions standards ne sont d'aucun secours. Les créatures ont commencé à se multiplier parmi les gens qu'elles ont tués. Nous consolidons nos positions à la recherche de quoi que ce soit qui pourrait aider à nous défendre. Si nous n'en réchappons pas, des médailles devront être décernées aux officiers Hayashi, Hertz, Egg, Kool et Rose, ainsi que des éloges funèbres pour Tig et Remer. Hertz, étudiez les communications. Essayez de voir si on peut contacter quelqu'un grâce au système d'annonce et puis... Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi mon colis a du retard? Désolé, Dr. Berger. Le système s'est éteint à cause d'un déclencheur de sécurité. Nous essayons de le remettre en route. Ce colis est extrêmement important. J'en ai besoin rapidement au département psychotronique. Une équipe recherche actuellement la source du problème. Nous en avons pour quelques heures. Quelques heures? Vous pouvez rien faire d'autre? Non.
Mais puisque vous avez du temps, vous pourriez appeler Monsieur Yu et lui demander la permission de relancer toute la station. Ça résoudrait immédiatement le problème. Quelle idée ridicule. Eh bien, puisque vous n'aimez pas le ridicule, je crains que vous ne deviez attendre. Je pourrais y aller moi-même. J'ai eu un entraînement à la microgravité. Vous avez qu'à faire ça. Gravité normale détectée.
scan de la cible. Aucun matériel Typhoon détecté.